coup. Ah, vous n'êtes pas focus. C'est le jour. Ah oh non, on va devoir changer. Hop. C'est pas le jour 11. C'est le jour 16. Alès Blaise. Et le 6, c'est mon chiffre fétiche. Et j'ai du mascara sur l'ongle. Tiens. Tiens, tiens. Mascara sur l'ongle. Voilà, c'est bon. Bonsoir et bienvenue dans ce jour 16 des Vlogmas. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow. Lighting a light with you. Bonsoir. Comment allez-vous? J'ai mis des petites barrettes de Noël. Il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais du manque de contenu. Non, en vrai, j'ai décidé aujourd'hui. En fait, c'est mon papa qui a décidé. Il m'a dit, tu vas faire quoi aujourd'hui? J'étais là. Je sais pas. Il m'a dit, et si tu commençais ton puzzle? Très bonne idée. Puzzle ici présent. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous allez rigoler. Parce que l'année dernière, notre puzzle était un grand fail. Voilà, c'était toute une histoire. Et donc, cette année, je me suis dit, et si on faisait un puzzle encore plus dur? Il a l'air encore plus compliqué. C'est génial. Et en même temps, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Instagram, Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. Et comme ça, je réponds à vos questions et j'essaye de commencer le puzzle que bien sûr mon papa va finir, bien évidemment. J'ai fait mon thé du jour, c'est le thé cerise que j'avais pioché dans une de mes petites boîtes de thé et il est trop chaud. Du coup, on attend. Je me suis mis dans ma salle à manger, enfin la salle à manger de mes parents pour avoir la grande table pour si jamais... pour faire le puzzle et que si jamais mon papa il veut le continuer, c'est la table à puzzle, vous connaissez, l'année dernière on avait fait ça et il y a le petit chien qui est juste à côté de moi, si vous entendez crou 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 vous savez pourquoi. Et j'ai pas pris de mouchoir, donc je vais aller chercher des mouchoirs parce que la goutonner pour toute l'année. C'est parti. Ok, c'est parti mon kiki. Ah, j'ai pas de ciseaux non plus. Est-ce que je vais réussir à ouvrir le puzzle ou avec mes ongles? C'est Achille qui boit. Notre puzzle de cette année, c'est un marché de Noël et ça a l'air hyper dur. C'est drôle. Pour moi, c'est très drôle, mais... Mon papa il va hurler. Moi c'est très drôle. Je vais juste trier. Je vais prendre ceux qui ont des bords comme ça. Pour essayer de faire les bords. Voilà, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que à mon avis on va pas faire grand chose d'autre. Est-ce que le thé, est-ce que je vais me brûler? Est-ce que je vais me brûler? Est-ce que...
Presque. Et je vais regarder vos questions. Question pour un champignon. Tes bonnes résolutions. Alors, finir ce puzzle. Je prends jamais de bonnes résolutions, moi, en fin d'année, parce que j'ai trouvé un bouffon. Parce que je suis dépressive. Et donc c'est très dur de voir positivement les choses. Et donc déjà on est en mode, enfin moi personnellement je me dis ah c'est bien, j'ai passé cette année et j'ai fait des progrès cette année, j'ai fait des trucs, mon traitement marche bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mes bonnes résolutions, mais sinon il y en aurait genre lire plus. Parce que franchement j'ai rien lu cette année, c'était... un scandale. Voilà. Je vais vous mettre pour que vous puissiez voir mon tri parce que c'est très important. Aou, 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 c'est trop chaud. Coucou, toi qui aimes tant l'hiver, aimerais-tu passer un Noël en Laponie? Oui. Ça me fait rire parce qu'on a vu un reportage... Pardon, j'ai hurlé oui, mais oui. On a vu un reportage avec mon papa sur TF1. Il faisait un reportage sur le Groenland. J'ai dit à mon papa, oh, je veux trop y aller, ça a l'air trop bien. Regarde, il y a des huskies partout et tout, c'est trop bien. Et du coup, mon papa, il fait que de me le ressortir. À chaque fois que je lui dis que j'ai froid, il me dit, et tu voulais aller au Groenland? C'est toi qui voulais aller au Groenland? Et je suis, oui, bon, c'est bon, on a compris. Donc voilà, j'aimerais trop bien sûr parce que j'aime trop les, j'allais dire les pays chauds, ah bah là absolument pas, les pays froids. Par contre, ben, tant que je sorte de chez moi, déjà. Tu lis en moyenne combien de livres par mois? PS, je t'adore, merci. Voilà, en moyenne entre 0 et 0. Non, entre 0 et... Bah, ça peut dépendre, franchement je peux en lire 30 sans faire exprès. Si je me fais un binge de manga, c'est bon, j'en ai lu 30, j'ai même rien vu. Et je peux en lire 0. Voilà, parce que ça dépend de mon mood. Et comme mon mood est vraiment n'importe nawak, et ben du coup, ça varie beaucoup. Mais donc ouais, ça peut être un peu nimpe. Mais souvent c'est entre 5 et 10, je dirais. Entre 0 et 5, on va dire. Quel est le livre qui a été un succès mais que tu as détesté et pourquoi? Et merci pour vos gentils mots avec. Par contre, j'ai pas demandé à pleurer. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le livre que j'ai pas aimé qui a été un succès? Je sais pas, moi je suis archi bon public, j'aime tout. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je vais regarder sur mon Goodreads. Est-ce que déjà dans ma vie j'ai pas aimé un livre? Ah bah Cujo de Stephen King. Mais bien sûr les Stephen King. Non franchement j'avais donné une bonne note à Pet Sematary. Je sais plus combien j'avais donné, peut-être 3 étoiles, un truc comme ça. Mais j'ai mis 2 étoiles à Cujo parce que j'en pouvais plus les gars, j'en pouvais plus. Il y a un moment c'était vraiment un huis clos dans une voiture. Enfin bref, ça durait des jours et des jours. Et j'étais là, c'est pas possible, c'est pas plausible. C'est pas plausible. Genre c'est pas possible, puis la façon dont les personnes meurent et tout, c'est pas possible. Vous savez quand vous regardez une série où vous voyez une mort ou un truc tragique qui arrive et que vous êtes là, oui oui, et ben voilà, moi avec Cujo. Ton objectif de lecture pour 2022, lire plus, lire, tout simplement. Aïe, ah. Je viens de, franchement... cet endroit fait trop trop mal. Vous savez, dans la cheville, genre l'os de la cheville à l'intérieur, là. Je viens de le taper contre la table en bois. J'ai vu ma vie défiler. Ça fait très très mal. Tu as combien de sagas en cours? J'aimerais tellement les finir en 2022. Alors là, j'ai jamais fait la vidéo mes sagas en cours parce que j'ai... non. J'ai pas envie de... Oh! Quoi? Bah oui, mais je sais que j'en ai beaucoup. Bah oui, je le sais. Mais c'est pas ma faute aussi. Mais oui. C'est bon. Il me bully tout le temps. Vous avez vu ou pas? Franchement, tout le temps, il me bully. Je vais lui ouvrir la fenêtre, attendez. S'il ne devait rester qu'une seule saga de roman de Tessie, laquelle serait-ce? Victoire. Quelle question.
Franchement, tout de suite, j'ai pensé à Cotard. Parce que je pense que c'est le plus complet. Que c'est la roman de Tessie la plus complète. Et que... Ouais. Je pense que c'est la plus complète, vous voyez. Il y a un livre qui est pas bien, c'est le premier. Un livre pas trop bien, mais qui est bien à la fin, avec plein d'action et tout. Un livre qui est génial, c'est le 2. Un livre qui est un petit peu bataille et la guerre et je sais pas quoi, c'est le 3. Ça fait très fantasy, très bien. Un livre santé mentale, romance, tip top pile poil et personnage qu'on n'aime pas, c'est le livre de Nesta. Donc vous voyez, il y a un peu tout dedans et tout ce que j'aime bien. Donc je pense que ça sera à Cotard. Ton top 3 ou 10, si c'est trop compliqué, des lectures 2021. Je vais faire une vidéo about it. Mais je vous dis, ça va pas être très très intéressant. Parce que j'ai rien lu. J'ai rien lu, poilou. Quel est ton plus gros coup de cœur jeunesse? Je pense que c'est Terroras Mokolo. I guess. À moins que j'en oublie. C'est le dernier que je me souviens. Jeunesse. Mais c'est celui que je recommande le plus souvent. Je dirais que c'est ça, les Catherine Ardenne. Et du coup, le tome 2 aussi. Je sais pas si tu l'as déjà dit et dans ce cas, désolée. Mais pas de soucis. Tu as fait quoi comme études? Plein. J'ai fait plein de trucs, les gars. J'ai eu mon bac grâce au roman Solé Olé. Parce que le lycée, c'était compliqué et j'allais plus au lycée. Et mon année de terminale, je suis presque pas allée au lycée. Mais enfin bref, j'ai quand même réussi à aller... Il y a deux pièces qui sont déjà mises ensemble, qui n'ont pas été séparées et qui ont l'air de bien rentrer ensemble. Je vais les laisser. Donc ouais, l'année de terminale compliquée et du coup j'ai passé mon bac parce que bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Et juste, je lisais mes meilleures romances, comme je vous ai dit hier, c'était ma vie tout entière. Comme j'avais eu des super bonnes notes tout au long de ma scolarité, n'est-ce pas? Et comme j'avais bien écouté en seconde et en première et en début de terminale, du coup j'ai eu mon bac. Mention bien. C'était bien, c'est déjà bien. C'est un bac S en plus, donc en maths, oh là là, j'ai eu 9 en maths. C'était déjà bien. Franchement, c'est déjà bien 9 en maths. Je suis désolée. Fut un temps, genre en seconde et en première, j'avais que des 20 et des machins. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour avoir 20 en maths. Mais en terminale, j'étais en mode, ouais, non. Non, 9, c'est bien. D'ailleurs, le jour où j'ai eu mon bac, où il y avait les résultats du bac, je suis allée à un concert des One Direction en Suisse. Et c'était le meilleur concert de toute ma vie, c'était ma meilleure journée, genre j'avais eu mon bac, j'étais en mode, je suis allée voir Harry Styles en vrai, le concert était génial, j'étais tout devant, genre je faisais coucou à Harry Styles, il me faisait coucou, bref, meilleur moment. Mais donc voilà, après le bac, j'ai fait une licence d'anglais, que j'ai arrêté au bout de 2 mois parce que dépression, s'est envolé. Mais c'est le truc que j'ai le plus aimé, aller à la fac et faire licence d'anglais. Donc c'était LLCE, enfin c'était de l'anglais, juste de l'anglais. Et comme je parlais déjà anglais, j'étais cool, Raoul. Et franchement, c'était mon truc préféré, ça me passionnait, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Par contre, je sais pas vivre en société, donc du coup, bah voilà, je suis partie. Ensuite, j'ai fait un BTS esthétique, parce qu'à ce moment-là, je regardais les youtubeuses beauté et j'étais en mode, je vais faire youtubeuse beauté. Why not? Et en plus un BTS c'est pas long, c'est que 2 ans, donc je me suis dit vas-y, je fais BTS beauté. À partir du moment où ils vous demandent de vous mettre tout nu les uns les autres, qu'ils font visiter la classe à des nouveaux élèves quand vous êtes tout nu et qu'ils vous tapent dessus pour enlever la cellulite, ça fait trop mal, et qu'ils vous arrachent les poils, ça fait trop mal, je suis partie. J'étais traumatisée, donc pareil, je suis restée 2 mois. Et j'ai fait un BTS laboratoire, métier des laboratoires scientifiques, gnagnagna. Pareil, je suis restée 2 mois. J'ai essayé de m'intégrer, mais je suis nulle en société. Pareil, j'avais des bonnes notes et tout, tranquille et mille, mais non, je pouvais pas survivre en fait. Donc voilà, je suis partie. Et après, en août de l'année où je suis partie de mon BTS, là, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Vous êtes ravis ou pas? Mais du coup, j'ai fait plein de trucs qui servaient à rien. Parce que j'ai rien vu. Voilà, mais si jamais je sais bien faire des épilations et je sais parler anglais et je sais faire des trucs de laboratoire aussi. Le roman que tu recommandes les yeux fermés. Les fermes yeux, c'est chaud parce que chacun ses goûts comme j'avais dit l'autre fois et il se peut que certaines personnes n'aiment pas, j'allais dire Sorcery of Thorns, mais il se peut que...
Sorcery of Thorns déjà. Et la saga à Cotard, je sais que ça plaît à beaucoup de monde déjà. Vous voyez, c'est compliqué parce que je dirais notre lecture commune avec Mika là en ce moment, elle est hyper bien. C'est un petit livre doudou de Noël machin. Mais pour les gens qui aiment pas la romance et les petits trucs doudou et niais, vous allez pas aimer. Ouais, non, c'est compliqué à tout le monde. Coucou Bibou. Allez, viens. Voilà. C'était bien ? T'es bien arrivé ? Donc c'était Eric qui m'avait posé cette question et il m'a dit ton thé préféré aussi, je crois que j'ai vu. Oui, ton thé préféré. Mon thé de Lidl, c'est un rooibos à la fraise et à la vanille. Et il est trop bon et ça vient de chez Lidl et la vie. La sortie de 2022 que tu attends le plus? Alors là je sais pas parce que je suis pas encore au courant, j'ai pas encore regardé les sorties, donc I don't know, mais dites-moi s'il y a un truc. Oh, j'ai vu que Janine Frost elle allait sortir, l'autrice de Chasseuse de la Nuit, elle allait sortir le tome 1 de Chasseuse de la Nuit sous le point de vue du mec. Yes, thank you so much, thank you very much. Refuses-tu des livres de maison d'édition? Si oui, que refuses-tu? Non, parce que j'ai pas beaucoup de propositions, to be honest. C'est moi qui demande en général ce que je veux déjà. Mais oui, j'ai eu quelques toutes petites maisons d'édition qui me proposaient des thrillers ou des horreurs et tout. Et j'étais ben... Déjà que j'arrive pas à lire mes romances préférées, je vais pas me mettre à lire un thriller. Donc voilà, c'était peut-être les trucs comme ça, I guess. Combien de livres possèdes-tu? Autant que de pièces dans ce puzzle. C'est vrai? Oh, c'est très vrai par contre. Il y a 1000 pièces. C'est vrai. J'avais fait un bookshelf tour un coup et il y avait un abonné qui avait compté que j'avais 800 livres et c'était il y a longtemps. Et donc on doit être à 1000. Hein. Mon coup de cœur de l'année 2021, pour l'instant tout ce à quoi je peux penser c'est Sorcery of Thorns parce que je l'ai lu cette année. Mais j'ai pas encore regardé quel livre j'avais aimé cette année, donc ça se trouve il y en a un qui va surpasser, je ne sais pas, je me rappelle plus. Mais pour l'instant c'est Sorcery of Thorns. Combien de livres as-tu lu en 2021 et combien as-tu de livres dans ta palle? J'ai 1000 livres dans ma palle. On a compté tout à l'heure. Tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est ma palle. Hein, ma bibliothèque. Bibliothèque. Et combien de livres j'ai lu cette année? Pour l'instant, 85. Je voulais en lire 100, mais... Être une pastèque sans eau ou une grenade sans graines? Une pastèque sans eau. Parce que, je sais pas, les grenades, t'as dit grenade, j'ai pensé à la couverture de Midnight Sun de Stephenie Meyer. Et genre, les grenades, c'est moche. Genre, c'est moche et j'ai jamais mangé de grenade. Par contre, j'adore la pastèque. Mais la pastèque sans eau, I mean, peut-être c'est encore bon, il reste le sucre. Et ce sera un tout petit pastèque avec que du sucre. Ouais, une pastèque sans eau. Le livre qui t'a... le plus fait pleurer. J'ai pleuré ma life sur le livre de Tilly Cole, là. Love Crescendo, ça s'appelle en français. Parce que, genre, il y avait un personnage bipolaire. Et bref, il y a un moment, il y a une phrase du genre « Ce personnage, de toute façon, n'était pas fait pour vivre parce qu'il est bipolaire. » Et bah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que ça se dit pas. Parce que c'était horrible. Et genre, de voir ça dans un livre, j'étais... C'était affreux et donc c'était de la mauvaise pleure. Quoi d'autre? Je pleure plus tellement. J'ai pleuré ma vie sur le livre de Nesta parce que j'ai relate. Mais je pleure plus tellement sur des livres. Si, Like a Love Story, j'ai pleuré parce que c'était sur le sida dans les années 80 à New York, la communauté LGBT et les larmes. Tu préfères être complètement chauve ou imberbe? Et imberbe ou avoir des poils partout? Ha! En vrai, tout de suite, je dirais chauve et imberbe parce que les perruques, you know, les perruques, tu te fais des sourcils, that's it, c'est tout ce que t'as à faire. Le reste, tranquille. Mais en même temps, on s'en fout de s'épiler les poils, donc vive le féminisme. Et donc, peut-être avoir des poils partout. And then what? Vous feriez quoi? You know? Des poils partout, puis je les enlève pas, et puis voilà. Puis ma meilleure fourrure pour l'hiver, vas-y, la fourrure. Tu préfères parler comme Maître Yoda ou respirer comme Dark Vador?
quand je monte la montagne à pied, je respire comme Dark Vador. Et il s'avère que je parle aussi comme Maître Yoda, parce que je dis la montagne, il faut monter. Donc je fais un peu des deux. Et si c'était pour longtemps, je préférerais parler comme Maître Yoda que respirer comme Dark Vador, parce que ça demande... Dark Vador, ça demande de la concentration et de l'effort, que Maître Yoda, au pire, tu peux ne pas parler si t'en as ras la casquette de parler comme Maître Yoda. Tu préférerais pouvoir parler aux animaux ou respirer sous l'eau? Ouh, ouh. Je veux trop parler à Achille. Mais imaginez, Achille, c'est... En même temps, j'aime bien qu'il parle pas parce que, genre, il me dit pas de bêtises. Il me déçoit pas parce qu'il parle pas. Imagine, je peux parler à Achille et tout ce qu'il me dit, c'est « Purée, comment je te déteste !» Et respirer sous l'eau, combien de rêves j'ai fait comme ça où je respirais sous l'eau et je vivais ma meilleure vie et j'étais en train de parler sous l'eau, sous l'océan. En plus, je m'appelle Océane, donc quelle ironie. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui, c'est vrai, j'avais pris un nom de Totally Spies pour me cacher. Et en fait, tout le monde m'a retrouvée, donc un plaisir. Mais bon, respirer sous l'eau, ça me servirait pas à des masses. C'est pas comme si je vivais dans l'eau. Donc non, j'aimerais bien pouvoir parler à Achille. Par contre, je vous jure, si Achille, c'est un méchant petit chien, je pleure. Comment vas-tu en ce moment? Ça va bien? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que les vlogs... J'ai du mal le matin, quand je me réveille le matin et que je suis en mode... Ouh, faut que je fasse un montage et faut que je trouve une idée de quoi faire aujourd'hui pour le vlogmas et tout ça, tout ça. J'ai un peu envie de rester dans mon lit et dormir. Mais après, je prends mes petits cachets. Ça va mieux. Et ouais, mon traitement marche assez bien. Et franchement, je suis fière parce que comme on disait avec mon papa, je crois que c'est l'année la plus facile pour les vlogmas en ce moment. Parce que bah, les autres années, je pleurais beaucoup. J'avais beaucoup de mal et j'étais beaucoup en retard. Que là... Ça va, cette année, c'est... Ça va à peu près. Tu préfères lâcher... Elika, tes questions, c'est les meilleures. Je t'accorde l'award de la meilleure question. Tu préfères lâcher des pets très sonores mais sans odeur ou des pets silencieux mais qui sentent la mort? Achille, on t'a parlé. Achille, on t'a parlé parce que je l'ai jamais entendu péter. Par contre, on le sent. Non, franchement, les odeurs, I can't. Je suis trop sensible aux odeurs, je suis trop sensible, les gars. Je veux pas, je préférerais que ça fasse plein de bruit et que ça sente rien. Je suis dead, la meilleure question. La meilleure question. Adieu la monétisation. Meilleure question. Ah mon dieu, Elika. Sortir avec Elisabeth de Sorcery of Thorns ou avec Nesta de Akotar. Oui, Non, franchement, Elisabeth. Parce que Nesta, I can't. Nesta, on a toutes les deux des maladies mentales et on pourrait pas, on pourrait pas, parce que moi je suis trop sensible et Nesta, elle est trop dure. Et elle me dirait mes quatre vérités et je pleurerais. Par contre, je serais bien sûr amoureuse d'elle parce qu'elle est magnifique. Et donc, je me laisserai faire. Mais je suis pas assez forte pour elle. Il lui faut vraiment un Cassian qui soit là pour elle et qui puisse pas forcément l'aider, mais juste être là pour elle et tenir le choc le temps qu'elle aille mieux. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans son livre en fait. Lui, il est toujours là, il attend, il tient le choc. Et le temps qu'elle fasse sa route, son chemin là, et ça va mieux. Donc, il lui faut quelqu'un comme ça, pas moi, qui serait en train de chialer ma vie. À chaque étape, donc voilà, je pourrais pas Nesta, par contre je serais très amoureuse d'elle, ça c'est sûr, et puis même si elle m'insultait, genre je serais encore plus amoureuse d'elle, parce qu'en général, j'adore, plus vous m'insultez, plus je vous aime. Et Elisabeth, elle a tout, genre elle est calme, elle pourrait me supporter même dans mes pires moments où je suis pas chiante, mais par contre je suis dépressive, genre je pleure et tu sais pas pourquoi et je suis très très triste, et elle comprendrait, elle comprendrait, je pense, elle serait là pour moi, elle serait très bien, et en même temps elle est badass, elle est magnifique, en même temps elle aime les livres, elle est hyper grande. Ouais non, Elisabeth. Maintenant je veux me marier avec Elisabeth. Elika, tes questions les meilleures, mais aussi je pleure. Tu peux garder qu'un ou une seule booktubeuse, laquelle? Vous voulez que je pleure? Vous voulez que les gens me haient?
C'est Marie en plus. Marie, je te vois venir. Non, en vrai, BookTube, c'est toute ma vie. Là, ce matin, j'étais pas bien, je voulais pas. Et j'ai regardé Crystal's Bookish Life, l'américaine que je regarde, qui lit de la romance. Elle m'a trop hypée, je l'aime trop. Et c'est ma booktubeuse du moment qui me remonte le moral et tout. Et donc, BookTube, c'est ma vie et j'en ai besoin. Et mes copains aussi, genre mes copains BookTube et tout, j'en ai besoin. Faut jamais qu'elles arrêtent leur chaîne, s'il vous plaît. Par contre, je vendrai mon âme. Vous avez bien entendu, je vendrai mon âme pour que Witty Novels, elle revienne. Reviens. C'est ma youtubeuse préférée, booktubeuse préférée, qui s'appelle Whitney, qui est une américaine. Et je l'aime trop. Elle fait plus booktube, mais cette année, elle a fait que des petits teasings sur Twitter en mode « Oh, peut-être que je reviendrai. Oh, peut-être. » Puis à chaque fois, moi, je suis là. Et en fait, non, elle revient pas. Mais Marie, franchement, la seule booktubeuse que je garde, c'est toi. C'est plus ma papote sur YouTube, si jamais. Tu ne peux garder qu'un seul livre, lequel? Marie, on va pas bien s'entendre, je pense que... J'allais dire Chasseuse de la nuit, le tome 1, parce que genre, c'est le premier livre que j'ai aimé, genre... Bon, le premier livre que j'ai aimé, c'est Twilight, le 2. Voilà, c'est le premier livre que j'ai lu, et que j'ai aimé, que j'ai lu en dehors de l'école et tout. Mais bon, je le relirai pas. Et en dehors de Twilight, c'est vraiment le tome 1 de Chasseuse de la nuit. Mais je serais triste au bout d'un moment parce que c'est un livre qui date de 2007 et je vois les défauts qu'il a et etc. Je pourrais le relire beaucoup de fois, mais au bout d'un moment, ça me saoulerait. Mais ouais, et puis si j'ai pas Wolfsong dans ma vie aussi, et puis si j'ai pas Taïe Zane dans ma vie... Ouais, donc non. Est-ce que tu as un rêve? J'ai fait des rêves cette nuit. C'est pour ça que je voulais pas me lever ce matin. Alors, le premier rêve que je me rappelle que j'ai fait cette nuit, puisque j'en ai fait plein, je pense, c'est que j'étais avec Félix de Stray Kids et que je voyais Félix en vrai et que je regardais ses taches de rousseur en vrai. Et genre, juste, je regardais ses taches de rousseur. Et c'est tout ce que je veux faire avec Félix. Juste regarder ses taches de rousseur. Et genre, je le voyais, je lui parlais et genre, on se baladait dans la rue. Et je regardais ses taches de rousseur. Et comment vous dire que t'as pas envie de te réveiller à ce moment-là? Et le deuxième rêve que j'ai fait le matin, j'étais en cours. Je sais pas en cours de quoi, je devais être à l'université. J'avais apparemment 22 ans parce que le prof me demandait quel âge j'avais et je disais 22 ans. Et le prof était un homme très beau, très grand, très musclé. Je saurais même pas vous le décrire à part qu'il était blond, mais sinon c'était tout. Et qui n'était pas très âgé et qui avait genre dans la trentaine, un truc comme ça. Et qui me disait « Et toi la petite » ou « Ma petite » qui m'appelait « Ma petite ». Et j'étais en mode « Va falloir arrêter monsieur » parce que genre on a genre 4 ans d'écart. « You need to stop ». Et il commençait à péter un câble en mode « Ouais mais moi je suis plus âgée que toi, gna 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 ». Et genre on commençait à s'engueuler devant toute la classe mais de manière très très interactive et très très romanesque en fait. Et c'était un enemies to lovers, oui oui. Tout le monde était captivé par notre engueulade et tout. Et après on sortait de la classe et je l'ai chopé par le col et là je me réveille. I swear to God. Je me suis réveillée au moment où je le chope. Ouais, parce que je suis badass hein, dans mes rêves, genre. Donc voilà, j'ai rêvé de ça cette nuit et après je me suis réveillée, j'étais là. Waouh, un nouveau vlogmas. Pourquoi faire? Donc mais c'était pas ça la question. La question c'était est-ce que tu as un rêve? Et absolument pas, je suis dépressive. Donc mon rêve c'est de survivre. J'en reviens pas que je vous ai raconté mes rêves ridicules là. Mais des fois je fais des rêves qui ont tellement aucun sens qu'ils me font peur. Et donc là ça va parce que ça avait genre à peine du sens. Genre même si c'était ridicule, ça avait du sens. Comment qui va Achille? Elle demande Lizzie. Ça va Cécile? Cécile? Ça va? Venir? Oh mon bébé. Oh là 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 là, il va bien. Mange pas les pièces de puzzle, non 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 non, absolument pas, non non. Tu vas bien? Oui. Il a dit oui. Il te fait coucou. Il est tellement mal coiffé, regardez ses pattes de cow-boy là. Oui mais excuse-moi mais t'es mal coiffé. T'es mal coiffé? Ben oui mon bébé. Il va bien. Pourquoi lire Chasseuse de la nuit? J'ai besoin d'aide pour me mettre à lire le tome 2. Mais Gladys. Gladys! C'est Gladys de Les Pépites de Gladys qui m'a dit ça.
Est-ce que tu as vu la fin du tome 1? Eh ben, je peux te dire que le début du tome 2, la tension qui est là à cause de cette fin du tome 1, l'histoire, le truc, il y a un jump dans le temps, le truc, et oh, comment ça se passe, le tome 2, pépite. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1, Enemies to Lovers, ce que je vous ai décrit tout à l'heure dans mon rêve, là, les deux qui s'engueulent, et plus ils s'engueulent, plus ils tombent amoureux. Ça, une fille trop belle, trop badass, qui au début est un petit peu énervante parce que forcément elle a quelques défauts et tout, mais après elle devient de plus en plus ouverte d'esprit et de plus en plus intéressante. Lui, il est parfait. Et on l'aime trop, il est drôle, et il est charmant, il est ah là là. Et des vampires, et donc du coup de l'action, et l'ambiance. Immaculé. Donc voilà. Mais par contre, le tome 2, vas-y, genre, tu vas voir. Wesh, comment fais-tu pour être aussi mignonne et marrante à la fois? Stop. Je suis obligée d'être marrante parce que quand t'es moche à l'école, quand t'es moche, faut au moins être marrant. Non, en vrai, non, c'est juste mon caractère, c'est parce que c'est mon père qui m'a élevée comme ça, et je suis comme lui. Et donc, voilà. Et mignonne, ma mère est mignonne, mon père aussi, donc... Ma mère et mon père, c'était genre les plus beaux du lycée, là. Vous voyez, genre, le mec beau du lycée et la meuf belle du lycée, là. Ouais, qui se mettent ensemble. Ben voilà, c'était mes parents. Insupportable, je les déteste. Genre, ils ont eu la meilleure histoire d'amour, là. Puis moi, je suis là, what about me? Bref. Et donc, voilà, ce sera tout pour les questions. Ça fait 107 ans que je parle, de toute façon. Je sais même pas si j'ai trouvé tous les bords. Dans le bord d'Amsterdam... Il y a des marins. Non, mais je pense que j'ai pas trouvé tous les bords. Mais donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais mettre des petites vidéos YouTube. Je vais re-regarder les vidéos de Crystal parce que, genre, j'aime trop la romance. En plus, j'aime trop comme elle bataille sur... parce que moi, j'ai pas l'énergie mentale pour ça. Mais elle est en mode, la romance, c'est bien. Et genre, on s'en fout que si vous aimez pas, on s'en fout. Laissez-nous aimer notre romance tranquille. Et genre, et j'aime trop comme elle est passionnée. Et voilà, donc du coup je vais regarder ces vidéos et je vais continuer mon puzzle et je vais aller faire mon montage aussi parce que j'ai pas fait ça aujourd'hui. Mais merci pour vos petites questions, je garde celles qui vont arriver après pour la prochaine fois où j'aurai du mal à faire du contenu. Goodbye, à tout à l'heure les lecteurs. J'ai deux petits colis. Alors celui-là, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, c'est Ophélie. Mais oui, c'est Ophélie. Pardon, excusez-moi. C'est Ophélie, donc il y a le pseudo Ophélie Above the Sky. Voilà, sur Instagram. Et qui m'avait montré un marque-page qu'elle avait eu dans le calendrier. Je crois que c'est le calendrier de l'Avent de la boutique des Villos. Et elle a dit, c'est le marque-page pour toi. Elle a dit, il faut que je te l'envoie. Donc du coup, je lui avais donné mon adresse. Un thé de Noël pour te plonger dans tes romances de Noël. Oh non, incroyable. Par contre, je vais pas pouvoir... Enfin, en fait, je vais le garder parce que j'aime trop le... j'aime trop l'étiquette avec écrit romance de Noël, genre ma fille. Trop bien ce marque-page. Donc c'est toujours un marque-page des Villos, je pense, de la boutique des Villos. Et si ça veut bien faire le focus, il y a écrit mon top des book boyfriend. Et donc c'était ce marque-page là qui criait mon nom. Et donc il y a Taye Zane en gros, il y a qui? Magnus et Alec, donc ça je connais, c'est The Mortal Instruments, bref, je regarde pareil les compiles sur YouTube de Magnus et Alec parce que je vais pas me taper toute la série juste pour trois scènes. Dame et Laurent, il y a écrit Ox et Joe, en gros, regardez Ox et Joe, oui. Simon and Blue, c'est Simon's versus de Homo Sapiens Agenda, donc c'est moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens, je crois, un truc comme ça en français. Dex et Sloan, là, c'est Thirds. Charlie et Nick, bah oui, c'est, j'allais dire, qui ça? C'est Heartstopper, Charlie et Nick. Et Julian et Cameron,
Julien et Cameron, c'est pas dans la c'est pas dans la saga spin-off de Ty et Zane. Non, peut-être que je confonds, il y a peut-être d'autres Julian et Cameron, mais si c'est la saga spin-off de Ty et Zane, il me semble que dans Ty et Zane, il y avait un spin-off avec Julian et Cameron. Iris et Tucker, No Rules. Ah oui, No Rules. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Poilot, tu relis tutu. Mais donc je l'ai, No Rules, si jamais. Ouh, ma femme. Au secours. Au secours. Ah, oh, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est aussi Evilo, ça. Non, mais vraiment, j'aurais dû prendre leur calendrier de l'avant, je suis trop bête. Oh là là, ma femme tout entière. Je vous mets le lien de la boutique d'Evilo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et regardez. C'est trop beau, mais c'est trop magnifique. C'est tout elles qui ont fait les illustrations. Franchement, c'est tellement beau. Merci Ophélie, du coup. Je suis trop contente. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Et tu m'as mis plein de petits extraits de manga. Et yes, parce que je les connaissais pas. Genre, je veux tester des petits extraits de manga. Mais merci Ophélie. Et puis, mon deuxième colis, c'est un petit manga de la part de Pika. Bah dites donc. Bah dites donc, je vais avoir ça collé au doigt toute l'année ou quoi? Seigneur. Ah, les enveloppes craft. Oh, oui! Les enveloppes craft, ça sent pas très bon, mais moi, les odeurs. C'est le tome 2 de mon manga préféré. Ah, c'est Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 2. Je hurle, il y a plein de chiens sur cette couverture. Je hurle, ça a l'air trop bien. J'ai lu le tome 1, j'ai un peu pleuré parce qu'on parlait du paradis des animaux et du paradis des chiens. Vous-même, vous savez que j'ai pleuré. Mais je trouvais que c'était trop bien fait pour les petits, enfin pour les jeunes, pour les enfants. Et pour moi, c'était hyper bien fait et j'aime trop les dessins. Et c'est tellement mignon, genre même les gros chiens, ils sont tout petits. ma vie, trop contente. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, je suis contente. Ce coup-ci, je vais faire mon montage parce que là, je suis vraiment en retard. Bye! Mais non, le 16, il est pas ouvert. Il m'a dit j'ai tout ouvert. Il est bête. Le 13. J'en ai ouvert 3 sans toi. T'en as ouvert 3 sans moi, c'est pas grave. Tu l'as ouvert le 15? Ah oui, j'ai tout pris. Ah oui, ah oui, c'est vrai, t'as ouvert. Bah t'as le droit au 16. Ah bon? Bah oui, t'as été raisonnable, t'as le droit au 16. Viens voir. Il est où le magnon? Le magnon, il est là. Le 16. C'est très étroit, 16. C'est très étroit. Oh, 16, 13, étroit. C'est très étroit. 13 plus 3, 16. 13 et... Oh purée, 13 et 3. Voilà, c'est très étroit. C'est le prof de CP. Voilà. Viens voir, il est beau lui. Il est beau. Mais on lui demande pas ça, on lui demande d'être bon. C'est 13 plus 3, purée. Vous voyez, mais c'est pas lui qui m'a appris les maths, hein, parce que moi, je sais pas. Il est beau. Il va être pas bon, je parie. Il est très étroit, tu vois. Il est 13 étroit. Purée, j'aurais dû faire la blague ce matin. Ouais. 16, c'est 13 étroit. Mais je me disais, ça rime pas, mais c'est 13 plus 3. Oh là 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 là. Fille de prof. Et donc, ça va être un truc comme ça. Oh purée, je suis trop forte. Est-ce que tu peux le dire? Congratulations, et regarde. Congratulations, Barbara. Regarde. Là, t'as un angle. Là, allez, allez. On va être deux frimés. Oh, mais n'importe quoi. Quoi? Mais il y a ça qui va là, je le sais, mais il manque un truc. D'accord. Ah, bah alors, n'importe quoi, alors. Il y en manque, il manque des bords parce que tu les as pas tous pris.
ça on te connaît. Hein. Bon, bah toi t'essayes d'assembler, moi je cherche encore des bords. Ouais, toi tu fais le travail le plus simple et moi, Je fais le travail le plus simple. Oh, regarde! Non, ça rentre pas, ça rentre absolument pas. Vas-y, peut-être. On dirait. Là, comme ça, là, regarde. Là, ça le fait. Là, oui, mais l'autre aussi? Si, si. T'es sûr? Bah, si, un petit bout de. C'est pas décalé? Ah, là, t'as fait un peu en force. Là, non, c'est décalé. Non, ça, c'est décalé. Ça, c'est parce que tu rêves debout. Debout. Mais j'ai essayé. Et ça, là aussi, ça va là, ça. Ça. Mais oui, regarde. Oui, je suis trop forte. Voilà, je suis trop forte, tu peux l'avouer. Donc t'arrêtes Cindy trop forte. Tu peux Cindy trop forte. Cindy mais trop forte. Tes jeux de mots, je les comprends jamais. Bon, Cindy trop forte. Ça vient pas de moi, c'est Cindy trop c'est José fort. Garcia. Cindy trop forte. C'est quoi, c'est grossophobe encore si c'est José Garcia? Oui, c'est ça. Ah bon, bah super. Tu valides pas? Non, je valide pas. Oh, je crois que j'ai eu un éclair de génie. Eh oui, oh, mais quelle intelligente. Mais quelle intelligente. Mais applaudissez-la. Ça va les chevilles? Quand je vais avoir des commentaires. Elle est détestable, franchement. Vous avez vu la taille sa du melon? Sa chaîne lui est montée à la tête. T'es mal la taille du melon. T'aurais jamais pensé que quelqu'un dise de moi que je m'aime trop. Non. Ça, t'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. On a tous dit manque de confiance en soi. Et pourtant, dans tous mes bulletins scolaires, c'était manque de confiance en soi. Bon. Maintenant, c'est t'aimes à la taille du melon. Il y a un 06 qui m'appelle. Vas-y. Non, toi, décroche. Allô, oui. C'était des colis. Vous voyez comment je réponds au téléphone? Je réponds bien. Mais purée, il est quelle heure qu'il livre un colis, là? Il est 20h. Il a dit au livreur, vous êtes bien courageux. Trop mince. C'est quoi? Oh, tous des cadeaux pour moi. Mais ça suffit. Ça suffit. Jacques Talmelou. Il est 20h, purée. Bah oui, j'ai dit qu'il était bien courageux. Ouais, j'ai entendu. Il m'a dit merci bien, tout ça. T'as 20h, le pauvre. Ouais. La vache. Bah merci pour les cadeaux, voilà, bisous. J'ai publié ma vidéo avant que les vérifications avant que les vérifications soient terminées. Et donc du coup elles sont pas terminées et je stresse parce qu'un coup c'était bloqué là-dessus et ça veut dire que je suis pas monétisée et... Bref, regardez. J'en peux plus de YouTube. Et moi je l'ai publié parce que j'avais pas vu que c'était pas fini et donc... C'est bien quand je suis floue, je me supporte plus. J'en peux plus, je viens de monter la vidéo. Je viens de faire le puzzle avec mon papa, je me supporte plus là. Vraiment, on est au jour 16, j'en peux plus de ma tête. J'en peux plus de moi. Et donc du coup, pour pas trop stresser, je vais faire mes calendriers. Je fais le 15. Des bijoux. Oh, c'est des petites boucles d'oreilles Père Noël. Regardez. C'est des petits brillants avec un chapeau de Noël dessus. C'est trop rigolo. Le 15 et du coup on est le... Heureusement que Joël est là. Je regarde toutes les 5 minutes. Vraiment. On est le 16. Tout en bas, tout en bas. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un petit collier avec un cœur. Que ma maman va piquer à la vitesse de la lumière. Vous voyez le petit cœur? C'est un petit cœur. Trop mignon. Les Kinder. On a dit quoi le 15? Alors attendez, j'ai fait le 14 parce que là, faut pas en louper. Il faut pas. J'ai fait le 14. Sniff. Le 15. Ça a l'air d'être un chocobon. Mais serait-ce un chocobon? Ou alors mes préférés là. Non, c'est un chocobon. Sinon ceux qui sont en barre là, c'est mes préférés. Et le 16. Oh là là, mamie met tes lunettes. Bah Riley, c'est pas que je vois rien, mais...
Ah bah le voilà. Franchement les lunettes. C'est une belle invention. Purée, mais ce combo. Ce combo là. Toute ma vie j'ai ce combo là. Et le tété. Le calendrier est en cacahuète. Le tété, on a dit quoi? Toujours le 15 et le 16. Le 15. Ouh, hiver austral. C'est un thé rouge, donc c'est du rooibos. Oh, j'aime bien le rooibos. Rooibos d'Afrique du Sud, fruits rouges, mandarines et fleurs. Yes. Oh, celui qui sentait la mandarine, mais oui, oui, oui. Ah, demain, demain. Celui-là, demain. Et le 16. Oh, c'est un thé vert. 5 continents. Thé vert de Chine, arôme kumka, kumquat, marula et citron, caviar, écorce. Et citron, ouais. Thé vert citron, ouais. On aime bien. Et voilà pour les calendriers, vous êtes ravis ou pas? Et c'est tout pour cette vidéo, vous êtes ravis? Le petit emoji d'aujourd'hui, que va-t-on mettre? Que va-t-on mettre? Mettez... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oh purée, j'ai fait le puzzle! Mettez l'emoji puzzle! Il y en a un d'emoji puzzle, hein, je le sais parce que je l'avais mis l'année dernière. Donc mettez l'emoji puzzle. Et comme d'habitude, hein, petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce qu'on a encore perdu des abonnés. Franchement je sais pas, plus je poste plus je perds d'abonnés. Peut-être que c'est parce que je suis chiante. Mais donc voilà, et sur ce je vous laisse. J'ai failli dire un autre verbe. Je vous laisse avec un S. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.